Salut la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui la situation elle est simple. Les personnes qui seront satisfaites totalement de ce match et qui diront que le Maroc a fait une prestation exemplaire, honnêtement, ces personnes-là elles comprennent absolument rien au football. C'est simple, je sais que je suis dur quand je dis ça, mais c'est la vérité. À un moment donné, on peut dire qu'on a vu du bon dans ce match, on a vu des choses positives du côté marocain, ça je suis le premier à constater. Mais venir dire aujourd'hui que ce match était absolument parfait et qu'il n'y a absolument rien à redire juste sous prétexte qu'il y a une victoire à la clé, honnêtement ça c'est pas possible. C'est pas possible de dire ça aujourd'hui. Tu peux pas te satisfaire de 3 points parce que t'as affronté l'Afrique du Sud et parce que tu les as battus à domicile. C'est absolument pas possible, aujourd'hui tu peux pas accepter ça. Alors oui, bien sûr, ce match ça reste avant tout un match de qualification pour la Coupe d'Afrique. Donc le fait de gagner c'est hyper important, ça je dis pas le contraire. Mais au-delà de ça, on sait tous que la priorité pour ce match c'est de préparer une Coupe du Monde. Du coup c'est compliqué de se dire aujourd'hui qu'une victoire à domicile contre l'Afrique du Sud avec des grosses difficultés, c'est rassurant pour préparer cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, encore une fois, moi je prends toujours ce petit baromètre pour me dire est-ce que là, si demain on devait jouer à la Coupe du Monde, est-ce qu'on serait prêt ou pas? Là aujourd'hui on serait toujours pas prêt, bien sûr qu'on serait toujours pas prêt. Et aujourd'hui, il faut bien le constater, à partir du moment où tu galères à battre une équipe d'Afrique du Sud à domicile, cette même équipe d'Afrique du Sud qui était même pas qualifiée à la dernière Coupe d'Afrique, comment tu veux aujourd'hui quand tu galères contre ce genre d'équipe, comment tu veux imaginer battre la Belgique, la Croatie ou même le Canada? Après c'est vrai que la Coupe du Monde c'est pas encore pour tout de suite, on sait que la préparation elle est encore longue, mais c'est sûr que quand on doit évaluer cette équipe aujourd'hui, c'est clair que t'as encore beaucoup de boulot, t'as encore énormément de boulot. Et moi aujourd'hui, je suis le premier à défendre Vahid, je suis le premier à lui dire que, voilà, tant qu'il donne des résultats satisfaisants, et surtout tant que son équipe a proposé encore des choses positives, pour moi c'était vraiment un véritable risque de le virer aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on voit le match contre les États-Unis, quand on voit le match aller contre la République démocratique du Congo, où cette équipe du Maroc a été vraiment proche du néant, moi personnellement je me suis dit, si ce match contre l'Afrique du Sud ça va être la même chose, si dans ce match contre l'Afrique du Sud là aussi encore une fois le Maroc va proposer une bouillie tactique, personnellement j'aurais considéré que ça aurait dû être définitivement la fin de l'histoire de Vahid avec le Maroc. Mais bon, heureusement on n'est pas arrivé jusque là, heureusement dans ce match contre l'Afrique du Sud on a vu des choses intéressantes, on a vu vraiment beaucoup de choses positives dans le jeu du Maroc, même si attention, attention encore une fois, c'était loin d'être parfait, c'était vraiment loin d'être suffisant pour une équipe qui se prépare à la Coupe du Monde. Et personnellement je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à redire, que ce soit dans l'animation, dans la finition, dans le choix de certains joueurs, voire même dans l'organisation défensive, honnêtement c'était vraiment loin d'être parfait. Après je sais qu'il y a certains énergumènes qui vont me dire ouais mais non, mais le coaching de Vahid il était bon, il a fait des changements qui ont été payants avec l'entrée de Unahi ou Harit par exemple, qui ont vraiment animé le jeu. Mais justement ce joueur là il devait être titulaire dès le début en fait, c'est ça le problème. C'est comme si demain t'entraînais Liverpool et tu mets Salah et Mané sur le banc, puis tu les fais rentrer à la 160e minute et tu vois qu'il rentre et il marque. Quoi, on va t'applaudir? On va dire bravo, t'as été malin, t'as fait un coaching payant? Mais non justement. À un moment donné, des joueurs comme Harit ou Unahi qui sont vraiment des gros talents, des vrais cracks, qui sont clairement au-dessus du lot techniquement. Mais bien sûr que ce genre de joueurs là ils doivent être titulaires, il n'y a absolument aucun doute. Tu dois les mettre titulaires, tu dois les faire jouer directement dès le début du match. Moi aujourd'hui j'arrive vraiment pas à comprendre comment c'est possible de préférer un joueur comme Barcook à ce joueur là. C'est absolument incompréhensible. Moi si j'ai l'occasion de parler à Vahid, j'ai envie juste de lui demander sur quels critères il se base pour faire confiance à ce point là à Barcook. Il n'y a que moi que ça choque en vérité, il n'y a que moi que ça choque, c'est pas possible. Là le problème avec Barcook c'est pas qu'il joue pas beaucoup en club, c'est qu'il joue pas. Le mec ne joue pas. Vous savez, cette saison, on a joué seulement 238 minutes avec son club. Quand on dit ça comme ça, 238 minutes, ça paraît beaucoup. Mais il faut savoir que c'est même pas 2 matchs et demi, en fait. Le mec, il a joué 2 matchs et demi sur une saison complète. Il a joué 2 matchs et demi avec son club sur 48 matchs. Et pourtant, le mec, tu vois toujours titulaire avec l'équipe nationale comme si c'était le Maradona marocain. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, tu vois un joueur qui a plus de matchs en équipe nationale qu'en club? Aujourd'hui, c'est pas juste qu'il a plus de matchs en équipe nationale qu'en club, c'est qu'il a 2 fois plus de matchs avec le Maroc qu'avec Francfort, c'est un truc de malade. Et pourtant, moi je vous l'ai dit, qu'il soit convoqué, ça me dérange même pas, la vérité, ça me dérange même pas qu'il soit dans les 23. Par contre, le voir titulaire à la place de certains joueurs qui méritent beaucoup plus, là pour le coup, là j'arrive pas à comprendre. Là pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est pas absolument pas acceptable. Mais quand je vois qu'il est titulaire à la place de certains joueurs qui ont travaillé toute l'année avec leur club, qui ont du temps de jeu, qui ont du rythme dans les jambes, personnellement, je trouve que c'est incompréhensible. Et d'ailleurs, quand tu vois que sur les 16 joueurs marocains qui ont participé à ce match, le seul qui a réussi à perdre un ballon dans ses 30 mètres et a donné une occasion à l'adversaire, ben c'est lui. C'est pas du tout surprenant. Fallait pas s'attendre à des miracles. Et au contraire, j'ai envie de vous dire, pour un joueur qui a aussi peu de temps de jeu en club, il a pas fait un match si catastrophique que ça. Même si, bien sûr, c'est vraiment insuffisant pour être titulaire, faut être honnête. Après, un des avantages de ce match, c'est qu'on a enfin eu droit à un retour de cette défense à 4. Parce que, honnêtement, ça commence à faire beaucoup trop long. La vérité, je pense que même ça faisait même trop long, parce que quand on voit déjà sur ce début de match le but qui a été encaissé par le Maroc, moi personnellement je pense que c'est en grande partie lié à ça. Comme vous savez, une ligne défensive, elle défend pas de la même manière quand elle joue à 4 ou quand elle joue à 5 ou à 3, ça dépend comment on se positionne. Mais tout ça pour vous dire que quand on voit que depuis plusieurs matchs cette défense marocaine, elle joue avec 3 défenseurs centraux, le fait que contre l'Afrique du Sud le Maroc se prenne un but à cause d'une erreur d'alignement des 4 défenseurs centraux,
Je pense que c'est vraiment loin d'être un hasard, surtout que ça arrive dans les 10 premières minutes, donc le temps un petit peu que les automatismes se mettent en place. Et là pour le coup, je pense que c'est vraiment le moment de se baisser d'hémorragie, parce que quand on sait que pendant des années, cette défense marocaine, ça a été vraiment l'une des forces de cette équipe nationale, je trouve que là, quand tu vois que sur les 5 derniers matchs, tu te prends 8 buts, à un moment donné, faut arrêter, faut dire stop. Et moi, je suis persuadé que le fait de repasser à 4 derrière, ça peut être en grande partie la solution. Surtout qu'il faut dire une chose, c'est que quand tu sais que cette équipe nationale a tellement de mal dans la finition, tu peux pas te permettre d'être trop fébrile défensivement. C'est ou l'un ou l'autre. Tu peux être fébrile défensivement, mais être prolifique à la finition. Et tu peux manquer de finition, mais d'un autre côté, tu dois être vraiment solide. Mais si tu manques d'efficacité devant et que derrière tu manques de solidité, honnêtement, va juste jouer au bowling parce que là tu cours à ta perte. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'au moins il y a des occasions. Ce qui n'a pas toujours été le cas avec Vahid. Mais donc, c'est positif, ça, c'est une chose qui est positive. Mais par contre, il faut être beaucoup plus concret. Parce que les occasions, c'est bien, là t'en as contre l'Afrique du Sud, t'en auras beaucoup, c'est normal. Il faut pas croire qu'à la Coupe du Monde, t'auras autant d'occasions et t'auras autant de possibilités de marquer. Là, faut pas rêver. Faut pas y rêver, faut être réaliste. Quand on voit d'ailleurs dans ce match que trois fois Hakimi met un centre en retrait juste devant le gardien, ça normalement, pour un attaquant, c'est cadeau. C'est un cadeau, c'est un caviar. Et c'est arrivé trois fois. Une fois pour Enesiri, une fois pour El Kaibi, une fois pour Tissou Dali. Mais à aucun moment ils ont su concrétiser cette occasion. Et quand je vous dis qu'ils n'ont pas concrétisé, c'est pas juste qu'ils ont raté l'occasion, c'est pas juste qu'ils ont raté leur frappe, c'est tout simplement qu'ils ont raté le ballon encore une fois. Normalement, ce genre de centre, ils doivent être dessus, ils doivent réussir à couper la trajectoire. C'est leur boulot en tant qu'attaquant, ils doivent réussir à sentir ce genre d'occasion. Donc honnêtement, la finition, c'est vraiment un axe de travail le plus important, c'est vraiment un chantier énorme avant cette Coupe du Monde. Et on espère justement que contre les Iberia, les attaquants seront plus prolifiques, qui vont réussir à se mettre en confiance, qui vont réussir à marquer des buts. En tout cas, on suivra ce match avec beaucoup d'attention et on sera vraiment attentif et super exigeant par rapport à ça. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.